Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la Geek du Monceau. Donc je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter deux packs, donc un DLC gratuit et le DLC payant de Farming Simulator 2015. Alors on va commencer par le petit DLC gratuit. Alors ce petit DLC gratuit, il se compose de la Neuland W170C, c'est une chargeuse, et le petit Manitou LM742, donc LT, je crois pas LM, pardon, j'ai dû planter, non, LM742, j'ai raison. Donc voilà, donc la chargeuse est plutôt sympa, niveau esthétique, elle est juste énorme, y a rien à redire. L'intérieur, c'est nickel, sobre, mais très bien réalisé. Franchement, je vous la conseille fortement. Ensuite, nous avons le petit Manitou ici. Alors, niveau extérieur, il n'y a rien qu'à changer par rapport à celui d'origine, à part la couleur. C'est exactement le même avec quelques petits différentiels, mais bon, pas grand chose par rapport à celui d'origine. Où ils ont vraiment bossé, en fait, c'est sur l'intérieur. Et l'intérieur, voilà, c'est juste génial, quoi. C'est vraiment avec le petit compteur, contour qui est super bien fait. Y a vraiment rien à redire. Donc là, moi, ça, je vous le conseille fortement, ce petit DLC gratuit, donc qui est composé de ces deux machines. Donc celui-là, il est gratos. Ensuite, vous avez le DLC payant qui est ici. Donc c'est le DLC, moi je vais appeler ça le DLC ensilage farming. Donc vous avez une aussi composé d'une ensileuse. Donc l'ensileuse, c'est la Neuland FR850. Donc voilà quoi, très très belle machine. Moi j'adore. Elle est juste géniale. Niveau son, démarrage, tout ça, c'est juste énorme. Franchement, c'est génial. Moi, j'adore. Les commandes sont plutôt bien réalisées. L'intérieur est plutôt bien réalisé. Voilà, c'est propre. C'est du Giant tout craché. Moi, perso, j'adore. Ensuite, nous avons dans ce petit DLC nous avons 4 barres de coupe. Donc la première, c'est celle-ci pour le ramassage d'herbe, pardon, de l'ensilage. Donc c'est une petite barre de coupe Neuland de 3 mètres qui était assez sympa. Vous avez celle-ci pour la coupe directe, donc Neuland, c'est une 6 mètres. Et vous avez ces deux barres de coupe pour l'ensilage maïs, donc deux barres de coupe de 9 mètres, donc une Neuland et une de la marque Klepper, il me semble. Donc voilà. Donc moi perso, moi je vous le conseille, hein, il est pas très cher, 4,99€, ça vaut le coup. L'avantage, c'est que vous avez une ensileuse qui est propre, qui est sans bug, donc qui vous permettra de jouer en multijoueur sans souci, sans avoir de gros problèmes par rapport à un mode. Et puis 4,99€, quoi, ça va pas nous ruiner, quoi. Et donc le DLC gratuit, ben, rien à dire, faut foncer, faut le prendre. Donc ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouvera à la prochaine sur une autre vidéo sur la GEEK. Allez, ciao, bye bye.